Bonjour. Le Qigong des yeux. Je m'installe, je me place. Le dos est bien droit. Je m'installe dans l'axe du Tai Chi, la verticalité. Le sommet du crâne relié au ciel, l'axe du Tai Chi traverse les trois tantiens, le crâne, la poitrine et le bassin. Une fois bien installé, je respire naturellement sans forcer. Je prends le temps de respirer, de sentir mon souffle. Je connecte la langue au palais délicatement. Et je connecte. Chauffe les mains. Je me les savonne dans un sens et dans l'autre sens. Je tourne tout autour de l'orbite oculaire. Inspire et expire dans un sens et dans l'autre. Je stimule entre les sourcils, au centre, le troisième œil. Ensuite, sur les sourcils. Au milieu. Je respire tranquillement pendant ce temps. Au-dessus, un peu plus haut. Pareil, je stimule. Je redescends. Pareil, je reprends. Et ensuite, je continue de descendre. Et là, je me retrouve en dessous de l'œil. Et toujours sur la même ligne. Et je continue. Pareil, je stimule. Des points qui peuvent être un peu sensibles. Je les stimule. Je continue à descendre. Je me retrouve en bas, toujours sur la même ligne. Je stimule aussi. Prends le haut,
Sourcils. En dessous. Et en bas. Dernière fois, je relâche un peu les bras. Sur les sourcils. En dessous. Et en bas. Je relâche le coin de l'œil, face interne, l'autre côté, à l'extérieur. De nouveau, je masse les yeux tout autour. Je tapote tout autour de l'œil. Je me masse tout autour de l'œil sans toucher l'œil. Donc au niveau de l'orbite, sans toucher l'œil. Ensuite, je tapote délicatement avec la pulpe des doigts tout autour de l'œil sans toucher l'œil. Ensuite, avec les pouces, je fais une pression sans toucher l'œil, hein, toujours. J'insiste. Corps. Ensuite, avec les deux doigts, pareil. Sans toucher l'œil. Ensuite, pour ceux qui ont des lentilles ou ceux qui ont des implants, suite opération de cataracte ou autre, on ne fait pas la suite. Pour l'instant, on fait une petite pause. Les autres, donc, font un massage de l'œil. Donc si bien sûr on a des lentilles, je répète, ou implant, on ne le fait pas, cet exercice. Donc là, vous voyez, je masse l'œil. Là, je suis par contre sur l'œil. Je masse l'œil. Pareil, l'exercice suivant, si on a implant ou lentille, on ne le fait pas. On fait un petit tapotement aussi sur l'œil. Si bien sûr on n'a pas d'implant ni de lentille. Délicatement. Et ensuite, finale, pression. Bien sûr, si on n'a pas d'implant,
ni de lentilles. Après avoir préparé l'œil, maintenant on va faire les exercices oculaires. Donc là on va regarder, on garde la tête bien droite, on repense à son axe, et on va regarder le ciel pendant 3 secondes. Et on relâche. La terre. À gauche. À droite. Alors cet exercice demande de l'entraînement. Si vous sentez que c'est un peu douloureux, ça peut créer des migraines, vous arrêtez là pour aujourd'hui. Puis progressivement, vous augmentez. Donc pour les autres et pour les fois prochaines, on peut continuer. On le reprend vers le ciel. Vers la terre. À gauche. À droite. Une dernière fois, vers le ciel. Vers la terre. À gauche. À droite. Et on revient. Ensuite, on va continuer l'exercice oculaire. Bien sûr, si on fatigue, si on a des migraines, on arrête là pour aujourd'hui et on reprend demain. La suite. Donc là, on part en diagonale. Du centre, on s'en va en diagonale, gauche en haut. Et ensuite, on descend en diagonale, on passe au centre, on s'en va à droite en bas. Et on revient au centre. Maintenant, on repart du centre, on s'en va à droite en haut. On revient en diagonale en bas à gauche. Et on revient. Encore. À gauche en haut, diagonale. En bas. On revient. À droite en diagonale. Et on revient. Une dernière fois. Diagonale, gauche. On descend en bas. On revient. Diagonale droite. On descend en bas. Et on revient. Ensuite, on va faire le grand tour. Le regard se porte vers le ciel. On descend à gauche. En bas. Et on remonte à droite. Encore. On descend. Et on remonte. Inspire, expire. Dans l'autre sens, on descend maintenant à droite. Et on remonte. Encore. Et une dernière fois. Et on revient. On relâche un peu. Se détend un peu. Maintenant, on met le doigt devant. Et le doigt va se rapprocher. Il va se poser sur le nez, qui va nous permettre de loucher. Et on étire. De nouveau, on ramène le doigt lentement, on le fixe et on le pose sur le nez. Et on étire. Encore une fois. Ensuite, je garde la tête droite et je regarde mon doigt qui s'en va donc à gauche. Et je reviens. Maintenant, la main s'en va à droite. Donc la tête reste droite. Il ne faudrait pas que la tête tourne. Et je reviens, toujours lentement. On le refait
Encore. Ensuite, on fixe le doigt et ensuite on fixe derrière. On fait un premier plan et un arrière-plan. D'abord, je regarde mon doigt et ensuite je regarde derrière. De nouveau, le doigt et derrière. Premier plan, arrière-plan. Encore, le doigt, arrière. Le doigt, arrière. Encore une fois, le doigt, arrière. Et maintenant, je vais loucher jusqu'à temps que je vois deux doigts apparaître. Et on relâche. De nouveau, je louche. Et je reviens. Encore. Je louche. Et je reviens. Maintenant, je mets deux doigts. Et là, je vais loucher jusqu'à temps que je vois apparaître un troisième doigt, ce qui n'est pas évident les premières fois. Donc là, je louche. Et je vois apparaître un troisième doigt. Et je relâche. De nouveau, je louche. Et je vois apparaître un troisième doigt. Je relâche. Encore une fois, loucher. Troisième doigt. Et là, le troisième doigt, je le rapproche. Je fixe le troisième doigt et j'étire. Après tous ces exercices, maintenant, nous allons cligner des yeux. Rapidement, plusieurs fois. Donc c'est parti. Pouvez fermer rapidement. Hein. Encore. Fermer. Et ouvrir en grand en soufflant. De nouveau, cligner. Fermer. Ouvrir. Une dernière fois, cligner. Fermer et ouvrir. Et maintenant, nous allons finir donc ce Qigong des yeux par le palming. Donc les mains vont former un creux comme ça ici, la paume de main creusée. Vous voyez les doigts collés, les cinq doigts collés. Les mains, la main n'est pas à plat, mais un petit peu creusée. Quand on posera les mains sur les yeux, on ne les pose pas ici, mais les laogong, le creux des mains à la hauteur des yeux. L'objectif, c'est la pénombre 100%. Donc avant, on va bien sûr chauffer les mains. Il faut que les mains soient bien chaudes. Une fois que les mains sont bien chaudes, on inspire et on pose les mains sur les yeux. Pour l'instant, les yeux sont fermés et on les ouvre. La pénombre doit être total. Et on reste un petit moment dans cette pénombre, 100%. La lumière ne doit pas passer. Et on respire tranquillement. On reste encore un petit moment. On apaise le regard.
Et ensuite, on relâche. On stimule les ailes de nez. Le point des parfums à côté des narines. Les points signifiants. Et le point Ranzan. Massage de la nuque et des oreilles. On tapote le crâne sur toute sa surface. Et on ratisse le crâne. La nuque, et la gorge. Et on relâche. On se pose, les mains posées sur les genoux, le dos droit, le sourire sur les lèvres. Les yeux peuvent se fermer quelques instants. Et on respire naturellement sans forcer. On écoute les sensations dans les yeux, sur le visage, dans le crâne, les oreilles. Salut. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.